Les causes de l'augmentation de la foi. Premièrement, l'étude du tawhid, plus particulièrement les noms et attributs d'Allah. Ensuite, l'abondance des bonnes actions. Puis, le délaissement des péchés. Et enfin, méditer sur la création. Les causes de la baisse de la foi. Délaisser l'étude du tawhid, plus particulièrement les noms et attributs d'Allah. Délaisser les bonnes actions. Accomplir des péchés. Délaisser la méditation de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les six piliers de la foi au destin bon ou mauvais, la foi au jour dernier, la foi aux messagers, la foi aux livres, la foi aux anges, la foi en Allah.